Alors l'intérêt de l'ossature bois en isolation intérieure, c'est d'avoir deux points de fixation sur des grandes hauteurs, où là en métal on va être obligé de passer avec des appuis intermédiaires. Et quand on est sur des murs en moellon, c'est très compliqué de faire tenir quelque chose. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on peut passer avec des isolants en panneaux, qu'on vient bien coincer dans l'ossature bois. Mécaniquement, on a quelque chose de beaucoup plus rigide. Ça permet d'accrocher des meubles dans les cuisines, dans les salles de bain. Le rail transmet le froid ou le chaud. Du coup, on est obligé de faire une isolation répartie, c'est-à-dire une partie derrière le rail pour pas que ça rayonne sur le métal et une dedans pour avoir l'isolation complète. En ossature bois, on se déporte un peu du mur, on isole entre les montants, un peu derrière les montants, mais c'est pour avoir une continuité, mais on n'a pas de souci de pont thermique. Il est tout d'abord nécessaire de contrôler la qualité du mur, l'absence de fissures, de salpêtre et d'humidité. Si des traces de remontée capillaire ou d'infiltration d'eau sont visibles, elles doivent être traitées en amont par le maçon. Il convient de vérifier l'étanchéité à l'air autour des ouvertures, l'aplomb du mur à isoler et celui des murs adjacents, ainsi que la solidité du pied de mur et du plafond. Un rupteur de pont thermique peut être réalisé dans la chape, sous le doublage, avec une plaque en liège recouverte de verre cellulaire. Enfin, il convient de bien repérer les gaines techniques pour ne pas les percer. On commence par mesurer l'épaisseur de l'isolant, ici 145 mm. Lorsque le mur est en talus, c'est-à-dire que le haut est plus éloigné comme c'est le cas ici, on reporte cette cote en bas sur la dalle pour la projeter verticalement au plafond au laser. Si le mur est dit en fruit, avec le bas plus éloigné, on reporte la côte en haut et on descend à l'aplomb. Le marquage est réalisé au cordeau ou au crayon. Les pré-trous pour fixer la lisse basse au niveau des futurs montants sont repérés sur la dalle. Ils sont aussi marqués sur la lisse basse avant d'être réalisés à la perceuse. Une fois la lisse basse positionnée avec les pré-trous situés sur les marques au sol, la dalle est percée dans le prolongement des pré-trous. Des chevilles à frapper fixent la lisse basse au sol. La lisse haute est fixée avec des vis à bois dans les poutres du plafond ou directement dans celui-ci. Le calepinage consiste à mesurer et à marquer l'emplacement des tasseaux verticaux qui vont maintenir les plaques d'isolant. On peut utiliser un gabarit de la largeur des tasseaux. On part d'un côté du mur en repérant la position du gabarit, puis on mesure l'entraxe correspondant à la largeur de la plaque d'isolant, ici 57 cm. On met un repère contre lequel on positionne le gabarit et ainsi de suite. Le dernier repère est pris le long du mur adjacent. Grâce au niveau laser, on reporte chaque repère verticalement au plafond. On mesure et on note la hauteur de chaque montant, car elle peut varier dans les bâtiments anciens. La hauteur de chaque montant est reportée sur le tasseau correspondant, puis celui-ci est découpé à la scie circulaire. Le tasseau est placé sur son repère, sur la lisse basse, et calé en haut et en bas, puis il est fixé en haut et en bas avec deux vis placées en diagonale. Et ainsi de suite, jusqu'à l'extrémité du mur. On
commence par découper des morceaux d'isolant correspondant à l'épaisseur de la lisse basse et on comble l'arrière de celle-ci. On remplit ensuite l'anthraque entre les tasseaux avec un panneau entier qui fait ici environ 120 cm de hauteur. Un second panneau est posé au-dessus. L'espace restant est mesuré avec le mètre qui est utilisé pour reporter directement la cote sur l'isolant. Celui-ci est découpé et vient combler le haut du mur. Le vide à l'arrière des montants et de la lisse haute est à son tour rempli ainsi que le volume entre les poutres. De l'isolant est aussi placé autour des gaines. Pour les types d'isolant, on peut utiliser la fibre de bois en panneau, le chanvre, lin, la ouate en panneau aussi, la fibre de bois insufflée ou ouate de cellulose insufflée. Donc qui se fait avec une machine et où là, il faut avoir quelques connaissances pour bien faire les réglages pour ne pas avoir de soucis dans le temps. Le frein vapeur limite la pénétration dans l'isolant de la vapeur d'eau émise par les occupants. Sa pose commence par le lait du bas, découpé à une longueur suffisante pour dépasser sur les murs adjacents et les fenêtres. On veille à ce que le lait descende bien jusqu'en bas du mur, jusqu'à la trame qui dépasse de la chape. Le frein vapeur n'est pas tendu pour garder de la souplesse. Il est fixé au marteau agrafeur sur les montants en bois. Le deuxième lait qui superpose le premier est également fixé sur l'ossature. L'entrepoutre est découpé au cutter ainsi que le surplus de frein vapeur en haut de mur. La trame dépassant de la chape comprend un adhésif double face pour la coller au bas du frein vapeur. Enfin, on utilise un adhésif spécifique pour coller les deux laits entre eux et fixer le lait du haut aux poutres et au plafond. Être vigilant sur la pose du frein vapeur, de bien laisser déborder le frein vapeur sur la partie basse et sur la partie haute. Suivant la finition qui est apportée ensuite. Donc s'il y a une dalle, une chape de rapportée, on peut coller la trame au sol avec une colle en cartouche appropriée et en plafond aussi. Dans le cadre où du coup on peut scotcher sur les supports, où ça tient bien, on peut aussi scotcher le bas et le haut. Ensuite, poser un contre-tasseautage horizontal de 4,5 cm d'épaisseur pour créer un vide technique. Cela permet de passer les gaines électriques et les canalisations et évite de percer le frein vapeur lors de la pose d'éléments muraux. On prend une cote à 1,50 m du sol pour visser le premier tasseau. De cette façon, si les plaques mesurent 1,50 m de hauteur, celles du bas comme du haut seront fixées dessus pour plus de rigidité. Un tasseau est ensuite vissé 50 cm au-dessus du premier et un autre 50 cm au-dessous, puis les autres sont fixés en respectant cet écartement. Les plaques de gypse ou de plâtre sont découpées selon la hauteur de la cloison. Elles sont placées contre l'ossature à l'aide d'un cale-plaque en veillant au respect du niveau. Les plaques de gypse ou de plâtre sont vissées sur les montants et les tasseaux horizontaux.